Souhaitons la bienvenue dans cette pratique et prenons le temps de nous poser, de nous déposer choisissant une posture confortable, nous assurant que notre corps est stable là où il est, quel que soit le support sur lequel il se trouve, que ce soit le sol, un coussin, un banc de méditation, une chaise, un fauteuil. Notons comment la stabilité se prépare, se fait instant après instant et dans le même temps, nous assurant d'une certaine verticalité. Sentant le corps peu à peu se déposer et explorant les sensations du corps très simplement. Juste vérifier comment nous nous sentons à cet instant. Reconnaître notre état. Invitation à ne pas nous juger dans ce que nous ressentons, mais plutôt de laisser venir les sensations comme elles arrivent, comme elles sont, les accueillir. Comme nous accueillons notre souffle à cet instant, le mouvement de la respiration qui va et qui vient. Prenons le temps de le reconnaître tel qu'il est. Accueillons le souffle dans son entièreté. Présent à ce souffle qui va et qui vient de lui-même. Et lorsque nous sommes prêts, l'invitation est de vous amener tout doucement vers les sensations de détente de notre corps. Quels sont les endroits, les zones, et quelles sont les sensations dans chacune de ces zones où le corps est plutôt détendu, plutôt calme et tranquille. Peut-être est-ce un muscle, une articulation, la peau, un organe, un rythme, allons tout doucement rencontrer ces zones dans lesquelles nous
ressent-on de la détente? Et prenons le temps de reconnaître ces sensations de détente. Qu'est-ce qui est là? Voyons si nous pouvons être précis et nuancés. Juste voir comment c'est la détente là maintenant dans ce corps qui est là posé. Ce n'est pas un corps étranger, mais un corps ami, connu, intimement connu. Comment c'est cette sensation de détente là où elle se trouve? Si nous sommes un peu perdus dans notre corps, nous ne savons pas où aller, voyons si nous pouvons trouver du soutien dans le fait d'aller dans certaines zones de manière délibérée, en commençant peut-être par les pieds, les jambes, puis remontant jusqu'à la tête. Peut-être cela nous aide, peut-être pas. Allez reconnaître les sensations de détente et les accueillir telles qu'elles sont, sans chercher à les modifier, à les amplifier, à les faire durer, plutôt de les reconnaître et de les accueillir. Notons ça et là, la détente qui est là, dans le corps. Et reconnaître et accueillir. Lorsque c'est OK pour nous, l'invitation est de diriger notre attention vers les zones dans lesquelles il y a de la tension, de la crispation, de la raideur. Peut-être pouvons-nous opter pour un certain ordre dans l'exploration de notre corps, peut-être avons-nous plus envie de voleter comme un papillon qui vient se déposer sur les zones qui apparaissent. Voyons ce qui est le mieux et le plus soutenant pour nous. Et d'aller tranquillement, doucement, à la rencontre de zones dans lesquelles il y a de la tension, il y a de la crispation, il y a de la raideur. Lorsque nous croisons l'une de ces zones sur notre chemin, l'invitation est de nous y arrêter et de reconnaître les sensations qui apparaissent. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est ressenti? Notons que cette étape de reconnaissance des sensations, il y a peut-être notre esprit qui vient nous dire juge, évalue, rejette, écarte.
écarte, éloigne cette tendance qui, pour les unes, les uns et les autres, peut être habituelle lorsque nous rencontrons quelque chose de désagréable ou qui nous apparaît comme désagréable, de vouloir le fuir, de le mettre à distance. L'invitation est à présent de ne pas le mettre à distance, juste d'être avec, de le ressentir, l'explorer, avec bien sûr l'infinie précaution qui consiste à continuer de prendre soin de nous. Et si cette sensation est très douloureuse, trop douloureuse pour ce que nous sommes capables à cet instant de supporter, bien évidemment, tout à fait la possibilité de nous en éloigner, peut-être de revenir à notre souffle, de nous réancrer dans le souffle et de trouver refuge. Mais si ce n'est pas douloureux, si ça reste tout à fait supportable, de continuer notre exploration de ces sensations de tension, de raideur, de crispation, avec beaucoup d'intimité, de tendresse, c'est là. Et la reconnaissance, peut-être les accueillir aussi, leur souhaiter la bienvenue, comme des invitations à être présentes, à être présents. Il n'y a pas de défi. Être là, nous accueillir tel que nous sommes. Reconnaître les sensations, accueillir ces sensations. Et à présent, tout doucement, nous inviter à relâcher les tensions. Restant dans cette immobilité bienveillante, dans cette posture d'accueil, lorsque nous sentons une tension quelque part, une crispation, une raideur, juste d'y déposer l'intention de relâcher. Sans agir, sans bouger, sans changer quoi que ce soit, juste inviter à relâcher la tension. Après avoir accueilli, après avoir reconnu. Nous sommes tout à fait libres de poursuivre notre exploration comme un visiteur dans un pays inconnu. Un visiteur dans un pays inconnu qui rencontre pour la première fois, la toute première fois,
Quelle sensation? Restons dans cette curiosité bienveillante d'aller à la rencontre. Reconnaissant les sensations qui apparaissent, les accueillant et y posant la douce invitation de relâcher. Posant délibérément notre attention à ce qui est. Peut-être que nous pourrions aussi reconnaître que ce que nous sommes les unes, les uns et les autres en train de faire à cet instant. Juste délibérément poser un acte radical d'amour sur nous-mêmes. Quelque chose de l'ordre de la relation intime, d'entrer en intimité et en amour avec nous, de nous reconnaître tels que nous sommes, de nous accueillir tels que nous sommes, et de relâcher ce qui est à relâcher, cultivant ainsi l'amour et la paix, très grande compassion vis-à-vis de nous. Et restant, si cela nous va, avec ces sentiments d'amour, de paix, de compassion, encore quelques instants jusqu'au son du bol qui marquera la fin de cette pratique.